Maintenant, avec l'exercice 2, c'est un petit peu différent. Construire un parallélogramme ABCD de centre O tel que AC égale à 10 cm et BD égale à 8 cm. Donc, avant de commencer avec les vrais moyens, avec la règle ou bien le rapporteur ou bien le compas, on va suivre la méthode de main levée. Donc, je vais tracer avec une feuille, un stylo, un parallélogramme qui s'appelle ABCD. Donc ici on a le point A, B, C et ici D. Et ici c'est le centre, c'est le haut, c'est l'intersection des diagonales. Les diagonales, c'est les côtés ou bien les segments entre A et C et B et D. L'intersection s'appelle le centre. Ici c'est le centre. Maintenant AC, donc c'est ça. AC égale à 10 cm et BD égale à 8 cm. Ici c'est 8 cm. Donc ce diagonale donc se coupe en point O. Donc le point O s'appelle le milieu du segment AC et BD. C'est-à-dire on a ici 5 et ici 5. On a ici 4 et ici c'est 4. Donc ici on doit commencer par les diagonales au lieu des côtés A, B et B, C, C, D, etc. Donc on va commencer par ces diagonales qui se situent ici au milieu. Donc je vais tracer de droite. Se coupe en un point. Je vais la nommer O. Maintenant, il suffit de prendre de O vers A 5, de O vers C 5 à l'aide de règles. Je vais prendre 5, donc c'est ici, et jusqu'à 10, donc c'est ici. Et maintenant sur le diagonal BD, donc on a 8 cm, donc on va prendre de A vers D 4 et de A vers B 4 aussi. Ici, on a 0 jusqu'à 4 et 4 jusqu'à 8. Et voilà. Maintenant, il ne reste que tracer les droites passant par ces points.
je vais reproduire le premier. Maintenant, il ne reste que les deux derniers. Et voilà, c'est tout. Donc on a pu répondre à notre exercice. Donc il ne reste que le nommer et CCA B C et finalement le point D. Donc ici, on sait bien qu'on a ici 4, ici 4, ici 5 et ici 5. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo. À tout à l'heure.